Les gens d'un bidonville de Bae Chang-ho, un film qui montre les mauvais côtés du développement économique en Corée du Sud avec les difficultés des travailleurs pauvres venant des campagnes. Une œuvre d'autant plus courageuse qu'elle a été produite durant une période de forte censure. Bae Chang-ho, un des réalisateurs majeurs des années 1980, ne tombe pourtant pas dans le piège du misérabilisme et fait preuve d'une grande empathie envers l'ensemble de ses personnages. Mais c'est assurément Han Sung-ki qui y est le plus touchant, dans le rôle de ce père hanté par la culpabilité pour avoir dû abandonner sa famille. The Age of Success de Jang Sun-woo, l'exploration de l'autre extrémité du miracle économique sud-coréen, une parodie de la culture d'entreprise rigide et ultra-hiérarchisée qui était en train d'apparaître dans le pays. Han Sung-ki est brillant dans le rôle de ce cadre du marketing prêt à tout pour atteindre le haut de la pyramide corporatiste, en écrasant tout le monde sur son passage. Les partisans du Sud de Chung Ji-young. Une courageuse évocation du combat des partisans communistes dans le sud du pays durant la guerre de Corée. Les fractures idéologiques qui ont conduit à la séparation de la péninsule sont brillamment illustrées, tout comme les multiples abus liés à leur mise en œuvre. Le personnage d'Han Sung-ki doit confronter ses convictions humanistes à la réalité du terrain, avec tous les doutes et hésitations que cela peut engendrer. Une profondeur intellectuelle et psychologique parfaitement restituée par le comédien. Les Monts Taebaek de Im Kwon-taek, par bien des côtés le film jumeau des partisans du Sud, qui renvoie dos à dos les partisans du Nord et du Sud pour leur brutalité. Une exploration passionnante de la psychologie humaine en période de crise, dont on sent bien l'aspect personnel pour Im Kwon-taek. Han Sung-ki donne brillamment corps à ce témoin impuissant des événements déchirants qui ravagent sa communauté. Sur la trace du serpent de Lee Myung-se, le prototype du polar coréen moderne, avec sa capacité à jongler entre les ruptures de ton, une réalisation et un montage extrêmement dynamique, et une inventivité de tous les instants. De nombreux films postérieurs y puiseront largement leur inspiration. Han Sung-ki parvient à y imposer une aura menaçante et à se montrer au niveau pour les nombreuses séquences physiques imposées par le film. Moussa de Kim Sung-soo, un spectacle d'aventure pimenté d'un peu de romantisme et de politique, à la direction artistique impeccable et au paysage envoûtant. Un exemple de collaboration réussie entre la Chine et la Corée du Sud avec un casting 4 étoiles, dont Han Sung-ki en archer d'élite. Sinmido de Kang Woo-suk, l'histoire authentique et tragique d'un groupe de condamnés à mort entraînés pour assassiner Kim Il-sung et qui se retrouve abandonné par les autorités quand le climat politique change. Un film viril, exaltant une camaraderie macho, mais complexifié par les machinations politiques pour un final déchirant. Han Sung-ki parvient à se montrer convaincant en commandant sans pitié, mais qui ne peut s'empêcher de développer une certaine affection pour ses hommes. 나를 쏘고 나가면 사진이 아니라 살아있는 어머니를 만날 수 있다.